C'est dans la lumière qu'on se retrouve pour la suite des aventures de Altair. Bref, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme vous le voyez pour la suite d'Assassin's Creed avec cet épisode 9. Et donc, j'ai joué un tout petit peu depuis la dernière fois, question de pouvoir découvrir un peu plus la map. De notre côté, vous pouvez déjà voir qu'on a un informateur juste en bas. Le petit monsieur habillé en blanc, un peu comme nous avec la ceinture rouge. Je ne sais pas si vous le voyez un peu bien à notre droite. Et donc, si je vais sur la carte, je vais juste pouvoir vous montrer un peu ce que j'ai découvert. Donc ici il y avait un point d'observation que j'ai pu tout simplement accomplir. Il y en avait un autre un peu plus haut, un peu plus bas, bref, j'en ai découvert je crois deux ou trois de plus depuis la dernière fois, juste pour pouvoir débloquer quelques enquêtes supplémentaires, question de pouvoir avancer vers notre prochain objectif et vers notre prochaine cible par la même occasion. Sinon, avant de continuer, évidemment, j'ai un petit mea culpa à faire. Toujours gracieuseté de Dark Sheep qui est venu me mentionner. Non, mais Lassio, tu t'es complètement planté. Tu nous parles du Saint-Sépulcre et tout. Tu nous parles de la mosquée. Mais t'es pas à Jérusalem, là, t'es à Damas. Donc oui, effectivement, petit mea culpa, c'est mon erreur à moi. Donc à force de vouloir me dépêcher, je n'ai pas trop réfléchi correctement à mes informations. Et donc je vous ai sorti tout simplement du grand n'importe quoi lors du dernier épisode. Non pas au complet, non, mais quand même, j'ai sorti quelques petites pointes comme ça, par-ci, par là, qui n'étaient pas des plus, comment dire, des plus corrects pour la situation auquel nous sommes ici à Damas. Faut quand même dire que les environnements se ressemblent un peu tous, mais bon, ça c'est l'excuse du débutant. Alors que là, bon, on va immédiatement parler à notre informateur si on veut quand même avancer le plus rapidement possible vers notre prochaine cible. Bon, qu'est-ce qu'il a à nous raconter celui-là? Altair, mon ami, mon frère, ça fait si longtemps. Des nouvelles d'Ada depuis son départ? Non. C'est triste. Je suis sûr qu'un jour elle te reviendra. On m'a dit qu'Abul Nukud était l'une de nos prochaines cibles. Je pourrais peut-être t'aider. Mais j'ai moi-même une mission à remplir. 4 cibles à éliminer avant midi. Et si nous nous entraidions, comme en bon vieux temps? 2 pour toi, 2 pour moi. Il s'agit des gardes personnels d'Abul Nukud. Ils seront bientôt là. D'accord, donc j'ai 3 minutes pour faire 2 assassinats. Assassinez discrètement toutes les cibles et revenez voir votre informateur. C'est parfait, c'est ready. On est chaud patate. Et donc, bon, je dois quand même les trouver pour commencer. Ça irait plutôt bien. Donc, on va en cibler un ici. Voilà, c'est parti. Je voudrais juste avoir un peu la distance qui nous sépare. C'est pas grand-chose, mais quand même, ça peut donner quelques petites indications. Alors que là, je vais... Merde, je me suis complètement planté. Je voudrais aller sur les toits. Pourquoi? Parce que je trouve que ça va être un peu mieux, justement, pour pouvoir se déplacer, de un, mais aussi pour pouvoir repérer notre cible, alors que parmi la foule, c'est pas non plus des plus évidents. Alors que là, Altair, tu fais du grand n'importe quoi. Donc, allez, c'est parti. Il n'est plus très loin, celui-là. Il devrait même être ici. Donc, impossible d'accéder à la séquence dans l'immédiat. Là, il parle sans doute du mur bleu ici, où on ne peut accéder. Donc là, il est juste en bas. On peut le voir ici. Comment je vais l'assassiner? Est-ce que j'y vais au couteau de lancer, ce qui pourrait être pas mal? Et donc là, oh, par contre, un petit saut par-ci, un petit saut par-là. Allez, ensuite, on débarque dans la face d'un garde. Désolé, pardon, monsieur, pardon, pardon. Et, il me reste plus qu'à trouver le garde. Donc, il est là-bas. Attendez. Là, par contre, la petite sentinelle, elle va peut-être me causer un peu de problème. Il ne reste plus beaucoup de temps, donc il faudrait que j'accélère un peu les choses. Donc, avec quoi je l'assassine, celui-là? Est-ce qu'on y va au couteau de lancer? Ou, on y va directement avec la lame. Par contre, on va devoir s'enfuir très rapidement. Je dois faire gaffe aussi avec tous les nombreux passants qu'il y a un peu à gauche et à droite. Donc là, ça devrait être bon. Ça devrait être bon, je vois déjà un peu comment je pourrais m'enfuir ensuite. Voilà, go, c'est parti. Là, par contre, course contre la montre pour quitter le plus rapidement possible le champ de vision des gardes, ce qui semble être passablement réussi, je crois. Merde, je voulais m'accrocher après la poutre, ce qu'Altair n'a pas voulu faire, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, il me reste 50 secondes pour aller tuer le prochain. On va essayer d'y aller rapidement. Ouh, je suis rouillé quand même, je suis rouillé dans mes déplacements et tout. Donc là, est-ce qu'ici, je suis en train de me compliquer la vie? Ah, si je passe sur les toits, je vais peut-être pouvoir réparer, si on veut, mon petite erreur de parcours. Donc, où il est? Où il est? Où il est? Où il est?
Il est en dedans. Il est en dedans, d'accord. Donc, je dois aller le chercher dans le marché. J'espère que je n'aurai pas 30 secondes et moins pour aller rejoindre mon informateur ensuite. Donc, où est-il? Il est en bas. Il est juste en bas de moi. Donc, allez, c'est parti. Et botte de foin, voilà, c'est fait. Et on part à la course. On part à la course dans un Brunis sur un. Et c'est parti. Donc là, il me reste 10 secondes. 8, 7. Non, je ne vais pas réussir. Je croyais qu'à la fin de mon assassinat, j'allais être tranquillou. Et finalement, non. Donc, échec de la mise à jour au sein de l'informateur. C'est pas grave. Vous allez voir un peu qu'est-ce que nous allons faire. Vous le voyez déjà sur la petite carte, il y a une mission de dérobage. Donc là, je suis en train de courir tel un fifou. Mais vous allez le voir, on va plutôt tenter de se rapprocher du dérobage, même si c'est quand même très, très, très manqué. Je pars tout simplement dans le mauvais centre, mais bon, c'est pas grave. On recoupe ici, voilà. On repasse sur les toits, s'il vous plaît, question d'aller se cacher justement dans la petite cabane. Je crois que ça devrait être bon. Ça va être chaud. Non, ils vont pas vouloir là pour l'occasion. Où ils sont? Ils m'ont perdu. On en rentre à nouveau. Ah, d'accord. Je sais pas trop comment ils ont fait pour me repérer un coup que j'étais sur le toit, mais bon, c'est pas grave. Donc là, vous voyez, toute la compagnie est là, est au rendez-vous. On va juste les laisser passer. On va plutôt aller du côté de la mission de dérobage, parce que bon, l'informateur, dans les conditions auxquelles nous sommes, certes, c'est juste 3 minutes, ça passe plutôt bien, on assassine, bref, vite fait, bien fait, et ensuite, on est reparti. Donc là, bon, j'avais déjà sorti le couteau de lancer pour pouvoir assassiner lui qui était en avant de moi. On n'aura pas besoin de le faire. On va plutôt simplement devoir descendre pour pouvoir dérober dans le plus grand des calmes et des respects le monsieur qui se trouve non plus en haut de notre tête, mais pas loin tout de même. Donc là, on va juste s'assurer de descendre tranquillos. Il y a quand même plusieurs gardes aussi, donc on doit faire attention également de ce côté. Donc, où est-ce qu'il se trouve, celui qu'on doit dérober, justement? Ah, d'accord, ils sont là. Est-ce qu'il y a un petit banc? Un petit banc public, s'il vous plaît? Non, oui, non, peut-être, non. Bon, c'est pas grave, on va stationner ici et on va cibler. Donc, rapprochez-vous, d'accord? Donc, on se rapproche. Et voilà. Je vous remercie d'être venu. C'est un honneur. Que puis-je faire pour vous? Portez la lettre que je vous ai remise au camp de Salah Ad-Din. Cherchez un homme du nom d'Hicham. Il vous aidera, et surtout, ne dites rien à personne. Ma mission restera secrète. Alors l'affaire est conclue. D'accord, donc allez, c'est parti maintenant. Donc comme toujours, il fait gaffe, il fait attention, il veut pas être suivi. Nous, on va peut-être contourner le poteau. On fait toujours gaffe, on attend, on va le laisser marcher quand même un tout petit peu. Quelle direction il part? J'avais oublié de le cibler, malgré que je le suivais. Donc là, on va juste attendre encore une fois un tout petit peu. Et là, par contre, ça serait la bonne occasion. La bonne... Non! Voilà. Maintenant, c'est réussi. Vous vous êtes procuré une lettre indiquant que le prince des marchands organisait une fête dans son palais. Ce qu'on savait quand même déjà, faut le mentionner. Parce que, rappelez-vous, lors du précédent épisode, je crois qu'on avait justement appris qu'il y avait un échafaudage oublié proche du palais. Si ma mémoire est bonne, et donc on va justement pouvoir profiter de cet échafaudage pour pouvoir s'infiltrer dans le palais et réussir notre mission qui va nous intéresser ici. Donc là, on va tout simplement retourner au bureau le plus rapidement possible. Question de ne pas trop étirer le temps, vous le savez. Justement, encore une fois, pour cet épisode, je suis un peu restreint par le temps. J'en suis fortement désolé. C'est pour ça que je me contiens. Je me contiens de vous dire un peu trop n'importe quoi. Et donc, bon, on se rapproche toujours un peu plus. Donc, ça va plutôt bien jusqu'à présent. On va rester sur les toits. Et il va juste me rester maintenant à devoir. Non, je crois qu'on va être bon. On n'aura pas besoin de changer de section de bâtiment, si je peux dire ainsi. Donc là, on passe ici. Ensuite, saut un peu suicidaire par là. Bon, ça s'est plutôt bien terminé, même si j'aurais pas été surpris si Altair serait peut-être, foulé une cheville sur ce saut. Ça aurait été plutôt logique, mais bon.
Mais bon, tant mieux si ce n'a pas été le cas. Et donc, ben écoutez, pour l'occasion, on se rapproche encore un peu plus où il est déjà ce foutu bureau. Je l'oublie toujours. Donc là, il est plus loin. On devrait avoir le droit à une petite échelle, voilà, ici. Donc, bon. Pourquoi se compliquer la vie lorsqu'on peut y aller de manière beaucoup plus simple avec une échelle? Donc, allez, on débarque ici. Voilà, ça c'est fait. Et donc, on va pouvoir voir un peu ce que notre contact va pouvoir nous révéler ici. Il va nous donner effectivement la plume. Que la paix soit avec toi, Altaïr. Tu as besoin de mes services? J'ai fait ce qu'on m'a demandé. Ma cible n'a plus de secret pour moi. Bien, fais-moi part de ce que tu as appris. Abul Nukud est totalement corrompu. Tous les habitants de cette ville le méprisent. Il semble avoir détourné de l'argent destiné au peuple de Damas pour l'utiliser à ses propres fins. Il se prépare à donner une grande fête où il pourra étaler ses richesses. Ses gardes et ses serviteurs risquent d'être très occupés. Ils ne me remarqueront pas. Très impressionnant, mon ami. Certains pensaient que tu n'y arriverais pas, mais moi, j'étais sûr que tu réussirais. Et tu réussis de fort belle manière. Dispose de cet endroit comme tu l'entends avant de poursuivre ta mission. D'accord, je sais pas qu'est-ce qu'Altaïr avait, mais il fléchissait des genoux. Je sais pas si c'est un petit stress avant de justement partir dans cette mission d'assassinat, mais bon. Donc, éliminer le prince des marchands quand il s'adressera à ses invités lors de la fête. Donc, c'est parti, on va juste cibler encore une fois. J'aime bien cibler ma position, donc là, voilà. Cible assassinée, c'est ici. Et on est quand même pas trop loin non plus. Donc ça devrait se faire plutôt rapidement, du moins je l'espère. Et ensuite, évidemment, on va retourner au bureau et on va se laisser, à moins qu'il y ait encore une fois, pardon, petit rapport, à moins qu'il y ait encore une fois un petit séjour à Massiaf, question de parler avec Al-Mualin. Donc là, le palais, normalement, on devrait le voir, alors que ce n'est toujours pas le cas, donc on va se rapprocher encore un peu, et ensuite, on va devoir justement, ben voilà, le voilà, je crois, ce serait le palais, justement, qui nous intéresse ici. Donc, allez, petite traversée de l'autre côté, et donc, ouais, ça se passe plutôt bien jusqu'à présent, j'espère que ça va rester ainsi, j'espère qu'il n'y aura pas de fail non plus, on va juste s'occuper du garde en haut. Encore une fois, on va y aller comme ceci, et petit coup de lame secrète dans le dos. Et donc là maintenant il me reste plus qu'à trouver le moyen de pouvoir m'infiltrer dans le palais. Donc je dois trouver l'échafaudage, est-ce qu'il y a? Oui, effectivement, il y a quand même une lignée de gardes juste en bas ici qui garde justement l'entrée. Il n'y a rien à rajouter à ce niveau. Donc moi, de mon côté, pour m'infiltrer, soit je pars vers la gauche ou vers la droite. Il semble y avoir de petites plateformes qui pourraient me permettre justement de pouvoir m'accrocher sur les remparts. Donc, on va partir, nous, de notre côté, à ma gauche. Donc, on va voir un peu qu'est-ce que ça va donner. Donc là, allez, on passe ici, ensuite par là. Ça va plutôt bien jusqu'à présent. Est-ce qu'il va s'accrocher? C'est parfait. Voilà, rapido presto, on lance le couteau. C'est bon. J'ai eu peur qu'il tombe pendant un instant. Mais bon, ah oui, c'est bon. Il y avait quand même une petite plateforme, donc on était correct à ce niveau. Allez, là on descend ici. Et ça devrait être bon justement pour pouvoir nous infiltrer. Donc là par contre, je dois quand même faire gaffe, parce que je ne suis pas non plus le bienvenu. On peut pas non plus se promener comme ça dans le plus grand des calmes au sein du palais et dire oh je suis invité et être armé jusqu'aux dents. Alors que là, attention, il y a une petite sentinelle, toutefois, on va juste faire gaffe pour ne pas la rencontrer. Et entre-temps, moi, je dois trouver une façon, d'un, de pouvoir m'infiltrer, mais aussi... Peut-être pas, attendez, on va rentrer ici. On va rentrer ici, donc là... Bon, d'accord, la porte s'est tassée, donc ça, c'est bon. Donc là, nous voilà à la fête et on doit trouver le prince. Qui va, par contre, peut-être... Non. Je crois qu'il va être en haut. Donc, je dois trouver un moyen de monter tout en haut. Ce qui va être quand même un challenge. Parce que bon, on va faire gaffe, par contre, de ne pas casser. Et de rester dans la plus grande furtivité qu'il soit. Donc là, attendez. On va juste se déplacer ici, s'il vous plaît. D'accord. Ici, il n'y a rien. Erreur, séquence... Ah, d'accord. Donc, le prince est ici. Être ici, je croyais qu'il serait peut-être en haut, qu'il serait venu faire un discours tel un roi montrant sa richesse si on veut. Mais non, finalement il est en bas. Donc ça serait peut-être, je sais pas si vous le voyez, entre
entre les deux messieurs et à la gauche du poteau, on voit un monsieur quand même un peu grassouillet avec sa coupe. Eh bien, j'ose espérer que ça serait lui. Le prince, est-ce que je peux le cibler, oui ou non? Je ne peux pas non plus me servir de mes armes. Donc là, je ne sais pas trop comment je vais faire pour pouvoir l'assassiner. C'est lequel entre les deux, vous croyez? Moi, je crois que c'est celui de droite. Mais bon, après, je peux peut-être me tromper. Je peux pas non plus m'assimiler. Donc, parmi la masse, en me montrant un peu comme un érudit. Et donc, je ne peux pas me servir de mes lames. Ça, c'est un truc de fou. Quand même, est-ce que si je me rapproche dans le plus grand des calmes... Qu'est-ce qui s'est passé? Petit passage de caméra, j'ai rien compris. Finalement, j'avais pas tort. Je devais simplement me placer en plein milieu. Bienvenue à Bref, on va l'écouter et ensuite je vous reviens. Merci d'avoir accepté mon invitation. Allez, buvez, mangez et profitez de tous les plaisirs que je vous offre. Allez-y, nous avons tout le temps. Alors, la fête est-elle à votre goût? Bien, bien, c'est un plaisir que de vous voir vous amuser. Car nous vivons des heures sombres, mes amis. Profitons de tout cela tant que nous le pouvons. La guerre menace de tous nous consumer. Salah ad-Din se bat pour faire triompher ses croyances et vous êtes là pour lui apporter votre soutien. C'est grâce à votre générosité qu'il peut continuer de livrer bataille. Levons nos verres, mes amis. Je bois votre santé, vous sans qui je n'occuperai pas aujourd'hui la place qui est la mienne. Puisse votre dévouement être récompensé. Quelle sollicitude! Cela m'étonne de votre part. Vous, qui êtes d'habitude si prompt à me juger et si malveillant. Oh, inutile de feindre l'ignorance, me prenez-vous pour un idiot? Pensez-vous que je n'entends pas ce qu'on dit derrière mon dos? Eh bien, sachez tout cela, je ne l'oublierai pas. Mais ce n'est pas la raison de votre présence ici, non! Je voulais vous parler de cette guerre et du rôle que vous allez jouer. Vous n'hésitez pas à dépenser votre argent sans ignorer que vous condamnez ainsi des milliers d'hommes. Mais pourquoi, combattants? Vous ne le savez pas. Vous croyez que c'est pour protéger la Terre Sainte ou pour nous protéger du mal? Vous vous mentez à vous-même. Non, ces souffrances sont nées de la peur et de la haine. Ce qui vous gêne, c'est qu'ils soient différents de vous. Que je sois différent de vous. Compassion, pitié, tolérance, ces mots ne signifient rien pour vous. Pas plus que pour ces infidèles qui ravagent nos terres en quête d'or et de gloire. J'en ai assez de tout cela. J'ai choisi d'embrasser une plus noble cause, d'œuvrer pour l'avènement d'un nouveau monde où tous les hommes vivront côte à côte, en paix. Malheureusement, ce monde se fera sans... Tuez tous ceux qui tentent de fuir. D'accord, donc le parti s'est finalement révélé être un petit peu plus animé que ce que je pensais. Donc, on doit trouver un moyen de monter jusqu'en haut et de pouvoir l'assassiner, hein, ce cher petit monsieur. Oh merde, là par contre, ça tire des flèches aussi, donc on va peut-être se dépêcher finalement. Et moi, de mon côté, je vais monter par ici, peut-être. Ensuite, on saute de l'autre côté. Non. Et voilà, c'est ce qui arrive lorsqu'on se trompe de touche. Est-ce qu'il est descendu en bas?
Non, il est pas descendu en bas. Ce que je voulais faire, c'était de lui lancer un couteau. Salut, monsieur. Ah, come on, come on. Je vais tout de même avoir réussi. Il a fait le con, lui, par contre. Il devait pas me suivre. Et finalement, il m'a suivi. Donc, bon, on va aller rejoindre, si vous voulez bien, le petit carré VIP qui se trouve en haut. Question d'aller s'amuser, nous aussi. Et il me reste quand même toujours des couteaux à lancer. Voilà. Un archer de moins. Deux archers de moins. Je crois qu'on m'a vu, par contre. Un autre archer de moins. Donc là, je dois aller de l'autre côté, j'imagine. Est-ce que je peux faire un détour? Si ma mémoire est bonne, je crois que oui. Donc, bon. Et écoutez, on va faire un petit ménage et ensuite on va s'occuper de notre cher petit prince. En espérant qu'il ne me donne pas trop de fil à retordre. Donc là, je passe ici. Ensuite, on passe. Ben, je suis bloqué là. Là, par contre, je suis bloqué. Je vais pas vous le cacher, je sais pas trop où aller. Donc, bon. On va revenir ici, tout simplement. Donc, on va se trouver une autre manière. Ça serait... Peut-être de retourner de l'autre côté. J'imagine que le... Comment dire? J'imagine que ça doit être un peu symétrique comme palais. Donc, on devrait retrouver un peu le même genre de base buscade. Alors que là, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai vu une flèche, mais tout simplement me passer à côté de la tête. Donc, c'était quand même pas trop loin. Alors que là, il reste quand même du monde vivant. Je sais pas ce qu'ils font les archers, mais ils sont en vacances, là. Ils sont en vacances, alors que là, bon, on va essayer de monter par ici. Non, on ne peut pas. Ensuite, il me faut juste un moyen de pouvoir sauter. Est-ce que si je passe par la table, est-ce que ça passe mieux? Oui, ça passe mieux. La réponse est positive. Ensuite, on passe ici. On se dépêche quand même. Lui, par contre, il est con. Il est con et il est aveugle. Donc... Oh, merde. Lui, par contre, n'a pas pris le jeu. Allez, va voir en bas si j'y suis. Et il reste quand même d'autres archers. On va aller s'occuper d'eux juste pour ne pas être ciblé. Un coup, le prince assassiné. Donc, bon, voilà. Et le dernier. Merci, bonsoir. On est parti maintenant. Donc, bon. Côté furtivité, c'est pas très... On a vu mieux. Alors que là, Altair, je sais pas, vous laisse dégourdir un peu les jambes. Donc, là, par contre, on va y aller. Ben, vous allez voir, tout simplement. Voilà, petit couteau. Merci, bonsoir. On est parti. Voilà, toi aussi. Et là, le prince, voilà, regarde, dans le plus grand des calmes, il s'en va, tel un bâtard quand même, il invite tout le monde, il paie de la nourriture à tout le monde, et à la toute fin, ah donc, d'accord, il vient de comprendre, il vient de se dire, merde, je dois fuir, là par contre, là, ma vie est en jeu, il est où? Ah, il est là, je l'ai perdu pendant un temps, donc là, où est-il? Oh merde, par contre, la petite série de garde, elle va peut-être me compliquer un peu la tâche, mais non, voilà, dans le dos. Sois sans crainte. Leurs mots ne heurteront plus personne. Pourquoi tu fais ça? Tu as volé ceux que tu prétends défendre. Tu as destiné cet argent à un usage inconnu. Je veux savoir où il est passé et à quoi il sert. Regarde-moi! Ma simple apparence est un affront au peuple que je gouverne. Du reste, ces nobles âmes auraient fini étouffées par tant de haine. Alors tu agis par vengeance? Non, pas par vengeance. Ma conscience m'a guidé. Comment soutenir ceux qui combattent pour le même Dieu qui a créé l'abomination que je suis? Si tu ne sers pas Saladin, qui sers-tu alors? Tu ne devrais pas tarder à le découvrir. Mais peut-être le sais-tu déjà. Pourquoi te cacher? Et pourquoi agir ainsi? Je ne suis pas différent de toi. Si tu prends la vie de ces hommes, c'est que tu as acquis la conviction que ces morts amélioreront le sort de ceux qui restent. Un mal pour un bien, en quelque sorte. Nous sommes pareils. Non, je ne suis pas comme toi. Ah, mais je vois dans tes yeux que tu en doutes. Personne ne nous arrêtera. Nous aurons notre nouveau monde. Ben voilà, bon non. Bon, est-ce qu'il y en a qui veulent s'amuser maintenant? Je suis dispo là. Je suis frais et dispo. J'ai pas eu ma dose de ce que je voulais. Allez, voilà, petit coup. Ouh, ça fait mal. Ouh, ça aussi ça fait mal. Ouh, merde. Par contre, lui ne rigole pas. Beaucoup plus lourd celui-là. Je vais devoir faire attention à lui. Non,
Voilà, toi. Oh merde. Je voulais le lancer après le mur, mais ça n'a pas fonctionné. Je dois faire gaffe à eux, ils attaquent, mais très très lourdement. Comment je peux faire pour... Ah, voilà. Petite contre-attaque qui a fonctionné pour le coup. Ouh. Ils ont de bonnes solutions quand même. Non. Voilà. Pas de contre-attaque, s'il te plaît. Lui, on s'en débarrasse maintenant. Et là, il en reste plus qu'un. Ouh, la petite claque qui fait mal. La petite claque au visage qui fait mal. Une petite bifle pour lui montrer c'est qui le patron. Hein, c'est qui le padré. Donc, allez, là maintenant, on doit partir. Pas trop comment je vais faire, donc... Oh, bonjour. Bonsoir. On est parti. Petite escalade maintenant. J'espère qu'elle va réussir. Allez, Altair, on se dépêche un tout petit peu quand même. Un tout petit peu. Donc, est-ce que... Oh, la même... Le petit cabanon qui commence à me connaître. Donc, bon. Mais voilà. Rapido presto. Petit passage maintenant de quelques sentinelles. Donc, ça s'est plutôt bien passé. Je croyais avoir un petit peu plus de difficultés. Je vais pas vous cacher que j'ai eu peur pendant un moment sur ceux qui attaquent de manière beaucoup plus lourde. Donc, comment dire... Ils font un peu tournoyer l'épée pour, comment dire, briser ma garde et ensuite attaquent lourdement avec un bon coup. Donc j'ai eu peur pendant un certain moment, j'étais pas sûr si j'allais être en mesure de pouvoir les contre-attaquer. Et quand même, j'ai pu réussir à sortir quelques contre-attaques alors que là, j'étais toujours ciblé, je ne sais pas trop pourquoi. Je crois que c'était peut-être par le garde qui restait toujours à descendre du toit. Alors que là, vous en voyez un autre ici, on prend pas de chance, on le tue. Au couteau de lancer, question de pouvoir rester un peu plus discret. Malheureusement, je n'ai plus de couteau, mais bon, vous le voyez, je pourrais, si je voudrais, dérober des couteaux de lancer sur les bandits de la région du coin du monde de la ville de Damas. Donc, bon. Donc, allez, maintenant, il ne reste plus que le bureau et ensuite, on va pouvoir se laisser. Encore une fois, je sais, je me répète beaucoup, je suis quelqu'un qui n'est jamais grandement satisfait des vidéos que je fais. Mais tout de même, j'espère que je n'aurai pas été trop lourd pour vous aujourd'hui. Pardon, petite coupure involontaire. Et par la même occasion, j'espère que vous allez avoir eu un minimum de plaisir malgré un peu le manque d'intérêt et d'informations que j'ai pu apporter. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à rejoindre le bureau, ce qu'on va faire le plus rapidement possible. Alors que je suis maintenant poursuivi, donc LB pour caméra de poursuite. Qu'est-ce que ça fait? Ah d'accord, on peut voir celui qui nous poursuit. Dans le plus grand des calmes et des respects. Donc bon, là je cours avec mon épée. Je me place et je suis prêt au combat. Donc voilà, un de tomber. Un deuxième qui devrait suivre, voilà. Et ensuite, qui d'autre qui veut s'amuser? Oh merde, donc c'est justement ce que je voulais dire. Donc il brise ma garde et ensuite il va avec un bon contact. Mais... la contre-attaque est quand même possible. Voilà. Il n'en reste plus qu'un, à moins qu'il décide... Non, 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 non. Tu ne vas nulle part. T'as voulu te battre, tu te bats comme un homme. Donc, là par contre, bon. Il y en a un qui a décidé de se rajouter. Voilà, c'est fait. Maintenant, tout le monde est à terre. Tout le monde est en train de dormir. Et nous, c'est reparti pour pouvoir... Merde! Il est où, ce foutu bâtiment? Ah oui, c'est ici. On va monter en haut. Oui, je sais, la trappe est supposément fermée. Mais quand même, ça me dérange pas. J'aime mieux attendre et tous les dégommer ici. Voilà. Voilà. Donc, c'était plutôt tranquille, finalement. Et donc, bon, on va pouvoir descendre. Donc, je l'avoue, encore une fois, côté furtivité, on a vu mieux. Et surtout, directement à côté de la trappe des assassins de mon contact et tout. Donc, bon, je cherche la pagaille, là. J'ai eu vent de tes exploits, mon cher Altair. Le règne de terreur d'Abul Nukud a pris fin. Je suis heureux de l'entendre. Il les a tués. Tous, hommes et femmes. Empoisonnés. Ses larmes d'un lâche. Il a condamné leurs actes et dit qu'il mettrait fin à la guerre. Étrange. Même si le prince des marchands était connu pour ses excentricités, il faut peut-être y voir là un signe de sa folie. Peut-être.
Tu ne sembles pas convaincu. Parle-en à Al-Mualim. Il t'expliquera peut-être. Oui. Nous verrons bien ce qu'il en pense. D'accord. Donc, petite avance rapide et on reste toujours ici à Damas. Mais, j'imagine qu'à la sortie de notre contact, on va pouvoir avoir la chance de pouvoir retourner immédiatement à Masyaf. Voilà, donc, petite avance rapide à Masyaf. Donc, voilà, c'est bueno, c'est cadeau. On va y aller. Question de pouvoir vous gâter encore un peu plus en contenu sur ce, je disais sur ce Assassin's Creed, mais aussi sur cet épisode numéro 9. Je sais que lors du dernier, ça a été quand même passablement court, donc 23 minutes. Donc celui-ci va tourner, bon, pas nécessairement plus longtemps, mais quand même un petit peu plus riche. Approche, Altaïr. J'ai à te parler. Je vous écoute. J'ai été informé de ta réussite. Tu as toute ma gratitude ainsi que celle de tout le royaume. En libérant ces cités de l'emprise de ces tyrans, tu as œuvré pour la paix, cela ne fait aucun doute. Vous en êtes vraiment sûr? L'immoralité de ceux qui gouvernent finit toujours par gagner le peuple. En chassant la corruption de ces villes, tu as purifié le cœur et l'âme de leurs habitants. Nos ennemis m'ont dit le contraire. Que veux-tu dire? Les confessions de ceux que j'ai tués étaient assez inhabituelles. Ils ne regrettaient rien. Même à l'heure de mourir, ils semblaient sûrs de leur réussite. Ils ne me l'ont pas avoué, mais il existe un lien entre ces hommes. J'en suis persuadé. Il y a une grande différence, Altaïr, entre la vérité qu'on voudrait nous faire croire et celle que nous percevons. La plupart des gens ne font pas la distinction. C'est la voie de la facilité. Le Hashishi Yun, lui, ne se laisse pas abuser. Il s'interroge. Mais alors, quel est le lien qui unit ces hommes ? Ah, un vrai Hashishi Yun se doit de faire taire ses pensées en s'en remettant à son maître. Car il ne peut y avoir de paix sans ordre, et d'ordre sans autorité. J'ai du mal à vous suivre, maître. Vous me demandez d'être lucide, et puis ensuite de ne plus l'être. Que dois-je faire? La réponse t'apparaîtra quand tu n'auras plus à poser cette question. Ce n'est pas pour me faire la leçon que vous m'avez fait venir. Très bien. Tu gravis un échelon et tu récupères un objet. Deux seigneurs sont encore en vie. Va, il est temps de mettre fin à leur règne. Donc, voilà, un nouvel équipement, je crois que c'est des bottes, tout simplement. Donc, qu'est-ce que ça va pouvoir nous permettre, ces nouvelles bottes? Donc, retrouver équilibre et esquiver. Nouvelle aptitude, expertise d'épée. Donc, dommage, vous pouvez vous entraîner dans la cour. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais voir de manière un peu plus personnelle. Parce que, bon, du côté du didacticiel, pardon, je trouve pas que c'est très important pour vous. Ça n'apporte pas vraiment grand-chose. Et puis, ça prend quand même 3, 4, voire 5 minutes. Donc, j'aime mieux proposer ces 5 minutes à avancer un peu plus dans l'histoire, à effectuer peut-être une quête, malgré que je me suis quand même bien emmêlé les pinceaux aujourd'hui et également lors du précédent épisode avec certaines choses que j'ai pu dire, notamment entre mon mea culpa de Damas et Jérusalem. Mais tout de même, j'espère que vous avez eu un petit plaisir à écouter cet épisode. Je sais que c'était pas grand chose. Là, pour la semaine prochaine, parce que là, je fais une grande parenthèse. La semaine prochaine, je suis dans une semaine de vacances. Je ne serai pas tout simplement dans mon petit chez moi où j'ai mon petit setup d'installer. Donc, pas d'Assassin's Creed. Mais il va y avoir de la vidéo quand même, puisque, comme je vous en avais déjà parlé, je vous ai préparé du Five Nights Champions. Et c'est quand même du très 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 bueno que j'ai à vous proposer. Ça ne sera pas des épisodes, pardon, très longs. Ça devrait bien s'écouter comme un film, si on veut. Les épisodes devraient tourner autour d'une 10 à 15 minutes maximum. Et si tout va bien, je devrais être en mesure de vous préparer un épisode à tous les jours, du lundi jusqu'à vendredi. Et donc ensuite, l'autre semaine, lorsque je vais revenir, eh bien là, on va pouvoir continuer à nouveau Assassin's Creed, finir Fight Night, peut-être Pokémon également que je devrais m'empêcher de finir. Et aussi, on va commencer à discuter un peu plus du côté d'NHL pour ramener une série de ce côté. Allez, fermeture de la parenthèse, encore une fois, j'espère que vous avez apprécié ce petit épisode d'Assassin's Creed. Et il me reste plus qu'à vous souhaiter, prenez soin de vous, portez-vous bien et on se revoit très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde!